Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un recours de cours. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors j'ai fait les courses pour pratiquement le mois, mais je pense pas parce qu'il n'y a pas assez de viande pour le mois, je pense. Voilà. Et donc, tout d'abord j'ai acheté du fromage à burger. J'ai aussi acheté le pain la semaine dernière. Donc voilà. Comme ceci. Après, j'ai acheté du jambon cru pour faire de temps en temps les raclettes. Ma pote, elle a dit, elle achète le fromage. Donc, c'est parfait. J'ai les patates. Donc, voilà. Le jambon. Ensuite, j'ai acheté des champignons déjà coupés pour faire des recettes et tout. Voilà. On voit pas, c'est un peu flou là, mais c'est normal. C'est la mise au point. Après, comme d'hab, j'ai racheté les échalotes ou les petits oignons. Vous appelez ça comme vous voulez. Je crois que c'est des échalotes. Échalotes, voilà, c'est ça, voilà. Bref. Après, j'ai acheté 1 kg de courgettes, comme ça. Alors, je vous montre, comme ça. Il y en a 4, ça fait 1 kg. Voilà. Je mets ça sur le côté. Voilà. Ensuite, j'ai acheté aussi 1 kg de... des courgettes, mais les rondes pour faire les courgettes farcies. Donc je vais vous montrer, c'est un peu bien emballé. Voilà. Donc voilà, c'est pour la semaine. Voilà, c'est pour faire les courgettes farcies. Voilà, j'ai acheté ça. Les autres, c'est pour faire des petites recettes. Voilà. Ensuite, je me suis acheté du ketchup. Il n'y avait pas la marque en Amora. Je suis dégoûtée. Donc j'ai pris celle-là et je la kiffe moyen. Il n'y en avait pas. Et à Auchan non plus, il n'y en avait plus. J'ai acheté... Ok, ça c'est mon petit kiff. Des kiri goûtés. Je mange ça au dessert. Ou quand j'ai un petit encas, j'ai pas envie de faire à manger. Donc je mange ça. Avec des tomates cerises. Ensuite, je me suis acheté comme viande. Je me suis acheté des saucisses de Strasbourg. Comme ceci. J'espère que vous avez la mise au point. Voilà. Après, je me suis acheté comme viande, on aura toujours sur la viande, le saucisson pour les apéritifs avec mes amis. Voilà, il y en a un, deux. Après, je me suis acheté du jambon avec la couenne. Ouais, j'en ai acheté qu'un seul paquet, j'aurais dû en prendre deux parce que ça part vite, mais bon, tant pis. Hein. Je retournerai. T'as vu, j'achète des paquets de 2 ou de 4, là il y avait 6, donc je me suis dit ok. Après, on a du poulet, c'est le meilleur celui-là, c'est le poulet de chez Carrefour, j'aime bien. Il n'est pas trop sec quand on le fait cuire à la poêle. Après, on a les lardons, qui se construisent comme ça, c'est des allumettes, des lardons allumettes, voilà. Rien de spécial. Ensuite, nous avons encore du poulet, mais cette fois-ci, c'est des aiguillettes. On fait... Avec ça, on peut faire des nuggets et tout, et du poulet au curry. Voilà, on a quoi d'autre? En viande, je crois que c'est tout. Après, j'ai acheté du savon pour mettre dans le distributeur. Du savon pour le corps. Pour les goûter, je me suis acheté, comme d'hab, des gaufres. Faut pas chercher midi à 14h. Hein. J'achète toujours des gaufres. Voilà, donc encore. Et encore. Puis ensuite, je me suis acheté du lait de coco, comme ça. Voilà, ça fait la mise au point, là. Deux. Je me suis acheté des lingettes nettoyantes pour nettoyer les surfaces. Antibactériennes spéciales. C'est recommandé, ça, cette marque. Voilà. Encore un paquet de gaufres. On est d'accord, j'ai trop abusé sur les gaufres. Mais bon, c'est pour le mois entier, donc ça va, hein, un paquet par semaine à peine. Et du jus de pomme pour les petits déjeuners et autres. Ok, il n'y a pas de pain, mais j'ai déjà du pain de mie et du pain à burger dans la réserve, donc ça devrait aller. Voilà, après il n'y a pas d'autre. Et ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous montrer, j'ai acheté ça. C'est de l'huile d'argan. Ok, mais on voit pas pourquoi c'est flou. Ma tête est pas floue et pourtant ça c'est flou.
Bref, c'est flou, hein. Ne cherchez pas à comprendre, c'est flou. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et n'hésitez pas surtout à me rejoindre sur TikTok et Instagram où je suis le plus active. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!